Et salut tout le monde, c'est Capitaine Flamme, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Ben, on se retrouve pour une petite nouvelle vidéo en compagnie de la team sur Pushko. Donc la dernière fois on s'était quitté sur toute la team qui était en panneau aventurier et on avait fait avec vous en live un fou du gland. Donc c'était le petit écureuil qui se balade dans Astrub et on avait eu quelques kamas. Donc au final on s'en sort avec 114 000 kamas et comme vous pouvez voir j'ai vendu certaines choses. Donc on va aller voir, je viens vraiment de me connecter donc ça fait un peu plus d'une semaine que j'ai pas joué parce que j'étais en vacances. Enfin il y a eu plein de nouveaux trucs, il y a eu la Paris Games Week, il y a eu... Ah ouais, il y a 2 jours il y a eu une grosse nouvelle dont on va vous parler avec Humility et Ezor, à mon avis ce soir ou demain, on verra bien. Mais ça va être assez énorme ce qu'on va vous annoncer, donc soyez présents. Et j'espère que ça vous fera plaisir. En tout cas, moi j'attends avec impatience déjà de vous l'annoncer. Et puis voilà, on a eu 9 500 kamas. Et nos ressources en banque qui commencent à gonfler. Là, je pourrais mettre les nuggets. Voilà. Les passes de crabe, je sais bien que ça coûte pas mal cher. Mais non. Bon, aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va essayer d'aller taper quelques bouffetous. Histoire de prendre quelques niveaux et de voir si on arrive à dropper des viandes. Parce que, à l'épisode avant... on était passé niveau 12 en boucher. Et quand on est niveau 12... en chasseur et boucher, oui, pardon. Quand on est niveau 12, on peut avoir les cuisses de bouffetou et les cuisses de bouffeton. Elles sont ici, les cuisses de bouffeton. Donc, on va aller tester ça. Donc, je vais ramener... Oh, en plus, il y a les bouffetous d'Halloween. On va venir ici. 6 moins 14, donc je vais juste monter avec eux. Et alors on testera aussi les tofu d'Halloween. D'Halloween. Allez, passe. Voilà. Il y a tellement de bots sur ces maps. En même temps, la team, vous allez dire, on dirait un peu des bots. Oh là là, oh oui. Ce gros combat là. On va se faire plaisir. Allez, on le lance. On s'en assure de pas nous le faire piquer. Donc on est juste nous 5, donc il va falloir faire très attention. Le sac... Non, Lenny, tu vas venir là. Le sacré ici. Le féca ici. Le panda là. Voilà. Donc la map est un peu pourrie à ce niveau-là, mais bon, ça devrait aller quand même. On va booster les damage dealers. Donc le sacré, le féca et moi-même. Voilà. Est-ce que le panda joue... Ah merde, il joue après Lenny, tant pis. Bon, avec lui, on va essayer de protéger un maximum. Voilà, donc on a eu un nouveau sort en même temps, le... Putain, Blitzkrieg, ça va être chaud. Donc celui-là, il joue en premier, donc on peut déjà le taper. Non, ça va pas être chaud du tout, enfin ça va être... pas compliqué du tout, c'est ça que je voulais dire. Voilà. Le panda, le seul qui n'a pas eu de boost. On va devoir taper ici en diagonale. Voilà, pour le terminer. Donc au niveau 31, je l'attends vraiment. Avec le panda, on aura enfin Kersham. Non, Shamarak. Parce que ben, c'est bien le fait de pouvoir porter les gens, mais si vous ne pouvez pas les balancer, ben, c'est un peu inutile. Ah ouais, quand même. Putain, vénère le sacré. Bon ben merci d'être venu, au revoir.
Bon, ben Blitzkrieg pour commencer, ça va être pas mal. En même temps, on va voir directement le genre d'XP qu'on va voir dans cette zone. On va booster le panda. Voilà. Le Fekka, il est où? Ici. Ah ouais, non, la team, elle commence à roxer pas mal. J'ai pas assez de PA, tant pis. Le panda. Il pourra pas taper non plus. Non, c'est pas le panda, ça. Ici. Donc je vais pas pouvoir taper. On va prendre Capitank. Pour le one shot, voilà. Donc alors, ah ouais, quand même, du 25 000 XP et tout le monde a droppé une tête de citrouille. Et ah merde, c'est seulement les bouchers niveau 10 qui peuvent dropper des cuisses de bouffetons. Ça c'est con. C'est vraiment con. Mais bon, sinon l'XP est vraiment pas mal. Et puis les drops dans cette zone sont toujours sympathiques. On a tous reçu une tête de citrouille, ça c'est bien. Et niveau ressources, ben on drop pas mal, hein. Vous avez vu en un seul combat, on a droppé tout ça. Par perso, donc c'est assez violent. On va aller retester les tofu. Ah, j'ai vu un niveau. Le Fekka qui passe 22, Lenny qui passe 23, l'Ayop qui passe 25. Ça, c'est bon. Je vais vite fait monter les stats. Voilà. Donc franchement, je suis assez content, la team qui commence à bien monter. On commence à avoir pas mal de Kama, je trouve. On a 120 et des 1000, je crois que j'ai vu sur le FK. Sur le Yop. Voilà, les stats commencent à être pas mal. Surtout avec les panneaux aventuriers, ben on commence à vraiment avoir quelque chose qui ressemble à quelque chose. Donc j'ai dit deux fois quelque chose, c'est pas grave. Allez, regardez ça, les bots, quoi. Putain, c'est infernal. Alors ici, il y a plein de tofu. Donc là, on va essayer de se placer bien. Le sacré là, Kadala, Cachille là, et le panda. Je vais ici. Voilà. Alors ça devrait aller. On a Versatile. Donc on va se battre contre des tofus d'Halloween. Le pan. Un cadavre. Voilà ici. On va se décaler pour avoir le boost de Lenny. On va faire. Les trois boucliers, même si on sait que ça sert pas à grand chose, ben bon, on le fait tout, on le fait quand même pour s'habituer à le faire. Et tout le monde est full life, ouais. Merde, Versatile, j'avais pas pensé avec épée divine. Bon, ça se voit que j'ai pas joué depuis un petit moment, je fais des gros fails. Allez, mettons on est à bourrer. Et j'ai pas la PO, c'est génial. Ouais non, un panda à bas niveau, c'est un peu tendu quoi. Bon, le plus chiant est mort. Ça, c'est bon. Ah non, il y en a encore une de larve. Bah tant pis, hein, quitte à niquer le tchal. Autant aller vite. Voilà. Lenny, je pense pas qu'il sera tapé. Non. On va faire du soin. Hein. Toujours aussi, je vais dire roxeur, mais non, aussi soigneur, ce panda. Cet Lenny. Qui est clairement l'âme de cette team. Non, il a pas tué.
Allez, meurs, voilà. Kadala là ici. Bon, épée divine, voilà le combat de la mort. Le panda, je pense même pas qu'il va pouvoir l'avoir. Peut-être le sacré, non, même pas. Allez, bouge. C'est pas grave, hein. Donc, toujours un yop quand il faut. Paf, paf. Voilà, bim, bam, boum. Voilà, on drop toujours pas mal de viande, hein, ça, on est d'accord. Mais bon, après, il va falloir que je monte tous les persos bouchés niveau 10, donc ça va être un peu long. À moins que je continue au tofu. J'hésite, j'hésite. Parce que bon, au final, sans tchal, j'ai presque XP autant ici que bouffe tout, donc. Voilà, le panda passe 23. Le Fekia passe 23. Mais il avait déjà up le combat avant. Lui. Et le Sacri passe 24. Donc c'est ça la partie entre guillemets chiante des teams. C'est ouais, à chaque niveau, faut monter les stats, faut regarder s'il faut pas changer de stuff. C'est assez lourd. Mais bon, comme c'est encore nouveau, ça va, c'est pas trop chiant non plus. Les stats qui commencent à devenir pas mal. Hein. N'empêche. On va partir en éclaireur avec le panda. On va voir si ça sert à quelque chose de bouger tout le monde. Oh oui. On va le lancer. Voilà. Je crois qu'on pourra même bien se placer pour avoir tout le monde dans les boosts. Voilà. Le yop. On va le mettre là. Et les nids. Ici, on va le mettre là. Le chien, on va le mettre là. Normalement, ça devrait être bon. Il n'y a que le Feka qui sera pas dedans. Donc, on va intervertir le Feka et les nids. Voilà. C'est bon comme ça. Bon, on va essayer de full chal pour une fois. Ah putain, ça va être chiant ça par contre. Voilà. C'est pas grave, on n'aura pas les boosts PA. On va juste taper. Je comprends jamais rien à ce sort. Une fois ça me le renvoie, une fois ça me le renvoie pas. Voilà, 82 dans la gueule. J'aurais mieux fait d'aller par là. Tant pis, tant pis. On va les tuer, hein, comme ça. On le sacrifie. Ah, yes, il a dissolution et château osé maintenant. Moi, je pensais que ce serait niveau 24. Donc ça, c'est bon. Si jamais on veut un reroll du sacrifie, ben, on peut le faire encore maintenant. Donc soit R, soit O. J'hésite vraiment. C'est vrai que O, ça pourrait être pas mal. Mais bon. À choisir, je préfère clairement un perso, un deuxième perso R qui tape blindé sur deux lignes de dommages et qui rock sa mort. Parce que niveau des dégâts, pour le moment, c'est pas vraiment au niveau des stats que ça change. C'est uniquement... sur les bonus dommages, donc pour ça que je pensais à une petite team que j'ai imaginé pendant les vacances. Ça pourrait être juste totalement cheaté, c'est de prendre des classes qui boostent les dommages à bas niveau, genre les Ekaflip, les Yop, les Roublards, et alors vous prenez un perso qui tape de super loin, genre un Enutroph, et alors là vous avez une team de 4 mais qui rocks du poney. Mais genre exagéré, avec zéro stat quoi. Au limite, vous les mettez tous full sassa et puis vous êtes parti quoi. Ça peut être totalement pété. Si je bouge, je l'aurai pas.
Allez, on va rebooster les gens. C'est quand même vachement chiant qu'on peut pas bouger, hein, n'empêche. On va mettre ça là. Non, je pourrais pas le faire. Qui a besoin de vie, Baleni? Tu pourras pas te soigner. Le pan là! Il fait quoi le panda? Ici, il peut en avoir un. Voilà. Allez, venez, petit tofu. Le capitaine. Bah, il peut rien faire. Mais c'est chiant parce qu'ils se mettent à chaque fois beaucoup plus loin qu'on est. C'est combien de PO ça? Attendez, on va faire le move de l'infini. On va bouger lui. On va le bouger. Voilà. Oh putain, j'aurais pas assez. Oh mon dieu, que c'est chiant. Tchal de merde. Lenny, il peut pas faire grand chose. À part essayer de se soigner soi-même. Le panda, normalement il doit pouvoir pousser. Il peut faire épouvante. Voilà. Il pourra encore le faire, mais il ne sait pas. Voilà, là normalement il doit pouvoir l'aligner. Capitaine, ainsi. On va le booster like a boss. Voilà. Et puis on va lui envoyer la sauce avec le fécan. Clairement, il va en prendre plein la gueule. Non, il s'est pas fait one shot. Et ça dure combien de temps le gif agressif? C'est abusé. Bah, il soigne pas mal avec le mot soignant, hein. Bon, tout est relatif, il est niveau 23. D'habitude, un ennemi, ça commence à soigner au niveau 90, donc au pire... c'est pas trop grave, quoi. Alors, le Yop, est-ce qu'il peut le pousser? Non. Mais je crois que le Feka peut l'avoir, hein. Mon dieu, c'est quoi cette PO dégueulasse? Mais je peux pas le finir, hein, putain. J'en ai marre. Le panda est ici, il ne peut pas taper non plus. Le... lui sert à rien. Donc là, je crois que c'est bon. Oui, c'est bon. Kada, tu vas passer ton tour. Et Cachille, tu vas lui marave la gueule. Voilà. Saloperie de tofu. Bon, ça va le drop assez honorable hein, au final. L'XP aussi. 30 000 XP, c'est franchement pas mal quand on sait que un niveau c'est 40 000. Bon, on a mis 6 minutes, certes. Mais c'était pas mal. Bon, on va refaire celui-là. L'Iopette qui passe 26. Le panda il peut rester là. Le sacré là. Lenny passe 24. Lenny va aller là. De vital le sacré quand même, c'est pas mal. Donc on va devoir faire un tchal où on doit taper au hasard les gens. Ça c'est bon, on va déjà pouvoir bouger, ça c'est une très bonne chose. Voilà, donc on va devoir taper qui? Capandi. De taper lui. Je pense qu'il peut le faire. Je suis pas certain. Eh ben non, il peut pas. Putain de panda.
Suffit de tuer en un tour les personnes qui sont ciblables. Voilà, et tu me renvoies pas le sort comme un enculé, comme à chaque fois. Et faites-le donner à un gars qui peut taper, ce serait sympa. Mais voilà. J'ai bien fait de le demander, merci Ankama. Toujours bien sympathique de se faire troller comme ça avec un perso qui a pas de PO et nous mettre le gars qui est le plus loin. Mais bon, on va rien dire. On les aime quand même bien. Allez, tiens, meurs. Voilà! Meurs tellement fort. Lenny, ah ben voilà. Bon, il est pas boosté, mais il peut taper quand même. Voilà! Du moins 30 sans boost, et voilà, il le termine. Ah là là là, Zizou, là Zizou. En plus, mon interdit est niveau 1, quoi. Hey, il commence à faire des dégâts, hein, franchement. Qu'a pas on dit de taper qui? C'est nickel. Tu vas te débourrer la gueule. Bon, il va taper le Fekka. C'est pas grave. Putain, il fait mal. Mon Dieu! Et voilà, il renvoie tout dans ma gueule, comme d'habitude. Et là. Et voilà! On se le prend dans la gueule! Oh! Le fail! Ah oh, mon Dieu, c'était dégueulasse! Bon, Lenny, t'es où? Et là, le best soigneur EU, ici. Panda, tu te décales cette fois-ci, tu le maraves la gueule, mais sans le taper, voilà. Oui, on va retenter. Non, t'es sérieux? Oh, j'ai cru que c'était sur lui qu'il fallait taper. Toi, ça va expé que dalle maintenant avec ça. Putain, allez, il en restait plus qu'un, quoi. Ouais, 12 000 expé. Wouhou! Le sacri passe 25. J'aurais bien fait feu, hein, n'empêche le sacri. Ça fait tellement de dégâts, mais c'est vrai que R, c'est pas mal. Hein. Parce qu'avec absorption, clairement, on les met à la Zizou. Boosté par Lenny, il arrive dans le tas. Blablabla. Il reprend toute sa vie, il subit rien. Franchement, pas dégueu. Je pense pas qu'on va faire un super long épisode aujourd'hui, par contre. Pour ceux qui voulaient, hein, mais désolé. On va essayer de les monter. Merde. Les monter 26. Enfin, la plupart. Qu'à d'aller déjà. Oh oui, ici. Voilà. Ah oui, en plus le placement. Le placement parfait. Casparadra, tu vois ici. Le shield ici. Ouais, vous allez voir comment ça va être parfait ici. On va leur mettre tellement la bite. Le panda va être... Oh oui, Blitzkrieg en plus. Oh, ça va être magnifique. Je vais mettre un glyphe dans le tas. Ça va faire... Boum! Alors, le Fekka, tu viens là, tu mets un pétanglyphe. Voilà, là tu peux en avoir pas mal. Et on va taper lui. Oh, non! Mais non, c'est pas possible ça, allez! Mais je fais que des fails depuis le début de l'épisode, faut que j'arrête là-haut. Je crois que j'ai réussi 2 tchals sur 4. Voilà, clairement, t'es déçu. Le panda, il est où? Oh, le panda, la zone. Oh, la zone! Voilà! Le malazizou! Putain, j'aurais pu finir en un tour. On espère qu'on ne fera pas de fail.
Voilà. Putain, faut toujours que je foute. Ah non, merde, il y a encore lui. Ben oui, avec le Fekka qui s'est pas terminé un mob. Voilà. Il y en a encore un. Putain, mais on les voit pas. Il est où? Je ne sais pas t'avoir. Je suis désolé. Grandi panda. Ne bouge pas, petit tofu. Tu vas te faire des pop. Voilà. Bon, j'ai entendu un up. C'est Lenny. Voilà. Voilà. Deux niveaux. Bon, on va encore faire un combat ou deux. Bah, ça me semble pas mal, ça. Allez, on est parti. Oh putain, la map de merde. Bon, le sacré là. Le panda ici. Non, en fait, le panda, je vais le mettre par là. Lenny, tu vas là. Non, tu vas là. Le sacré, tu vas là. Et normalement, c'est bon. Ouais, ça va, il manque personne. Alors, main propre, oh mon Dieu. Putain, c'est ma journée, hein. Donc on doit genre les finir avec un glyphe. Et ben voilà, c'est déjà raté. Eh ben c'est pas grave, on va envoyer la sauce. C'est bizarre qu'on tacle pas. Hein. Ben, Lenny il tape. Cherchez l'erreur. Lenny tacle. Elfeka il tacle. Le Yop il tacle pas. Finis-le. Voilà. Non! Putain, sort de merde. Ah ouais, ça tape un peu moins quand on n'est pas boosté, hein, n'empêche. Oh là là, les fails que je fais aujourd'hui. Le Yopileo ici. Et voilà, et maintenant il tacle. Cherche l'erreur. Qui avait pas de vie? Le panda. Merde, j'ai pas la PE. Voilà le panda, t'es où? T'es là? T'es là ou t'es pas là? Voilà, on va te manger la gueule. Voilà! Voilà, il reste plus de vie. Le sacré, il peut rien faire. Donc tu passes ton tour. L'œil hop, il va lui. Jump concentration. Bim! Le Fekia ne peut rien faire. Lenny ne peut rien faire. Le panda, il peut se mettre en bourrée et terminer ce combat que j'ai encore fail. Mais en même temps, vous avez vu le challenge de merde, quoi. Putain, j'aurais pu finir qu'avec le glyph. Ah, un nouveau niveau 26. Donc le sacré. Le panda qui passe 25. Ça, c'est bon à savoir, le sacré. Donc, si je veux faire un éventuel restat. Ce sera avant le niveau 30, donc il faut que je prenne une décision à la fin de cet épisode-ci. Je vais vous demander bah, si le sacré vaut mieux, enfin quel élément vaut mieux privilégier pour le sacré. C'est vrai que ça pourrait être sympa, hein, boosté par deux épées divines. Tu vas dans le tas, tu fais deux dissolutions, clairement tu dégommes tout le monde. Mais bon, après, c'est chacun son choix.
Moi, perso, le sacré, c'est pas un souci, puisque je sais bien qu'il tape déjà au corps à corps. Au pire, bah, s'il tape encore plus au corps à corps, ça peut être pas mal. Après, feu, ça peut être sympa aussi, parce que voilà, ça fait beaucoup de dégâts. Et la régène est vraiment pas mal. Parce que si je commence à jouer sacrifice à partir d'un certain niveau, bah, on va sentir la différence. Kada. Cashield. Bon, on va essayer de finir en beauté. Alors ne pas recevoir de soins. Non. Pas recevoir pendant leur tour de jeu. C'est parfait. On a déjà deux morts. On va faire ça. On va faire ça. Au pire. Ils seront morts à la fin du tour. Ils se mettent dedans en plus, c'est pas magnifique. Et voilà! Et voilà les dégâts! Les dégâts, les dégâts! Ah, normalement, je devrais pouvoir finir en un tour. Quitte à taper le Fekka assez fort. On s'en fout, il va quand même prendre un niveau au pire. Il en reste plus qu'un, ouais, on est d'accord. Bon, concentration. Et voilà! Et voilà! Ah, il passe pas de niveau, je suis dégueu. Bon, ben, il y en a un qui va crever au prochain combat, je le sens bien. A plus de vie. Ah, bah si, nickel, le fait qu'il passe de niveau. Mais cette coopération entre teams, c'est juste parfait, quoi. Les persos sont. Ah, merci, les zones abonnées. C'est con. Bah, nickel, ça fait un succès d'exploit. Sinon, c'est vrai que les oies singes, ça pourrait être sympa, hein. Parce qu'ils n'ont pas énormément de vie, ils tapent pas énormément fort, et l'XP est franchement pas dégueu, regardez. En plus, il n'y a personne qui les fait, donc il y a toujours blindé d'étoiles partout. Bon, on va partir en éclaireur. Ah, mais c'est parfait. Allez, il est chaud devant. Alors, tu vas venir ici. Capitanque là. Kada ici. Ok, c'est le Fekka qui a l'initiative, c'est nouveau. C'est pas grave, il va bouclier tout le monde. Du plus petit au plus grand, va falloir réfléchir. On va mettre tout le monde en tactique parce que c'est un peu dégueu comme ça. Voilà, donc Kada VC. Voilà, on se décale. Like pro team. Donc alors du plus petit au plus grand. Donc 11, 12, 12, 12, 12. La larve bleue en premier. Donc clairement, je vais te défoncer la gueule. Voilà. Donc après. Les tofu qui sont niveau 12, donc les deux devant moi. Oh là là. Ce Roxor. Ce Roxor, cet ennemi. Alors l'autre niveau 12, il est là. Il va pas bouger. Il va mourir. Donc après, ils sont niveau 13, 13 et 14. Le 13, il est là. L'autre 13, il est là. D'abord, on va te tuer. Voilà. Donc fin du premier tour, il en reste déjà plus que 3. Ça va être bon. Le niveau 14, le 13 est là derrière. Donc on va pas les tuer. On va faire comme ça. Kada ici. On va le commencer.
Et le glyphe va le terminer, et comme ça on n'aura plus qu'à tuer les autres. Qui s'enfuit comme des grosses putes, mais c'est pas grave. Voilà. Le panda, il est par là, c'est sympa. On va tous les rapprocher. Comme ça, ils vont être obligés de s'avancer pour venir. Shield, t'es où? Ici. Au pire, c'est pas grave, je peux taper de loin maintenant, hein. Donc voilà, et c'est Sparadrap qui va. Ah non, il va pas terminer. Il va faire du soin. Et normalement, pardon, si je dis bien normalement, si on fait ça, il est mort. Et en plus, il devrait passer à peu près tous 26. Voilà, c'est nickel. Ils passent tous niveau 26. En plus, on drop des clés du donjon des larves. Qui est pas bien compliqué à faire, mais qui est bien sympathique. Avec la chine larve qui renvoie les dégâts tout le temps, donc c'est un peu frustrant comme donjon. On va réaligner tout le monde, hein. J'allais dire du plus petit au plus grand, mais pas du tout. Donc alors, toi, t'as 15 points à mettre en force. Voilà, au niveau des sorts, est-ce qu'on avait commencé à monter quelque chose? Oui, on avait commencé à monter bon. On peut le mettre niveau 4. Ça, c'est bon. Oui, c'est le cas de le dire. Le sparadrap, on monte ton intelligence. Donc toi, on n'avait pas encore commencé. On va commencer à monter mort revitalisant, parce qu'on l'utilise vachement. Beaucoup. Voilà, toi, c'est bon. Toi, t'es... Oh! Non, il est pas niveau. Bon, c'est pas grave, on va faire un tofu tout seul. On va lui marave la gueule vite fait. On va bientôt avoir l'armure venteuse, c'est pour ça que je voulais le niveau 26. Voilà, comme ça il passe niveau 26. On monte ton intel. Voilà, parce qu'en fait, les tofu tapent R, donc l'armure venteuse, c'est juste obligatoire. On va changer l'ordre comme ça. Voilà, puisque c'est les raccourcis qu'on utilise. Voilà, on n'avait rien commencé à monter, donc on va monter l'armure venteuse. Allez, ça y est, on fout. Ensuite, ce sera la aqueuse, et puis on va enfin passer au sort de dégâts, et lui par contre le féca, je crois qu'on va le restat pour qu'il soit terre à long terme. Donc lui, il a pas up. Et ses sorts étaient déjà montés, si je dis pas de conneries, ouais. Attirance, on va le monter, c'est sympa. Ah, quoique, ouais, non, on va garder pour avoir sacrifice niveau 5 directement. Ça peut être franchement pas mal, hein, sacrifice pour la team. Et on va terminer avec le panda, avec 5 nouveaux points. On agit. Et lui, on va monter. Bah, Karcham est monté à fond. Bah. Non, plus que le niveau 31, et on aura Shamrak au niveau 5 directement. Pourra faire nombre de lancers partout. Ah ouais, non, d'accord, c'est bon. Et puis voilà, bah, la team qui commence à être pas mal. Un petit épisode de 40 minutes, c'est pas mal. C'est pas trop, c'est juste assez. Donc j'espère que vous avez apprécié cet épisode, les amis. Donc je vous dis à très bientôt sur la chaîne. N'oubliez pas que dans les jours qui viennent, voire ce soir, il y aura une grande annonce sur la chaîne. Donc une vidéo avec Ezor, avec Humility et avec plein d'autres pour vous ajouter, pour vous ajouter bien, pour vous annoncer quelque chose de très très gros. Donc soyez présents. Et ben, je vous dis à très bientôt, les amis. Ciao, ciao!